Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Ibrahim Agallo. C'est ça bon. La défense. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Diallo, je vais vous poser une question de précision. Tout à l'heure, en répondant à une des questions, vous avez parlé de 49 cadavres et par la suite, vous avez voulu rectifier en disant que vous n'aviez pas compté. Mais il se trouve que dans votre procès verbal du 11 août 2011, vous aviez effectivement mentionné un nombre de cadavres. Et d'ailleurs, vous avez souligné avoir procédé à un décompte. Qui a été un? Je crois qu'il y a une panne. C'est une panne. Je peux continuer? L'audience est suspendue. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Ibrahim Agallo. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, alors, je disais que, contrairement à votre déposition ici à la barre, dans votre procès verbal, vous avez effectivement mentionné
des corps, des cadavres que vous aviez d'ailleurs rassemblés, mais aussi vous parliez de décompte. Est-ce que vous maintenez avoir procédé à un décompte? Sinahare ka procès verbal mum on yewti don fureji din on mobondirno di limudon di wo si tay hay joni don giriti on limunodi bade micro mi kontali di je n'ai pas compté j'ai dit mi on mi wi je dis à peu près 49 49 le cadavre. Sauf que, M. Diallo, dans votre procès-verbal, on ne retrouve nullement ce chiffre de 49. Vous avez parlé de 29 cadavres. 29 innodon, nogay et djenay. Si ko windi tom ko memmi we kon ko ndi jetto tom parce que ko mi woli tom comme yetti woli tom ko mi woni maintenir dagati. Bon, ce que je dis c'est ce que moi je maintiens aussi. Tant mieux. Ensuite, est-ce que vous pouvez décliner l'identité des 6 personnes qui étaient avec vous? Wo si tay don wayi wolu de inde yimbe njego be wonduno dombe ben njego be dom. Des 6 là, quand on me faute, on s'est rencontrés là-bas. Mais anda bébé anda là. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas non plus. Quand mes sœurs ont déniandé. Depuis qu'on s'est séparés ce jour-là. Dido ben me yidi, dido ben tout dernier mando. Deux personnes entre eux, je me suis vu tout récemment. Oyaum. L'autre. Wanindra Rai. A Wanindra Rai. Haribé yo te donne fi affaire ko fi ironko, ko kay sta di kom. Ils expliquaient l'affaire qui s'est passée. Comme moi aussi, je l'ai expliqué comment moi aussi j'ai vécu. On était là-bas ce jour-là, là où il y a le corps. Je l'ai pris même son numéro, mais là où j'ai mis son numéro de téléphone là, mon téléphone a été volé. Ce que je connais. Donc, même celui que vous aviez invité à prendre les ablutions et à aller prier, vous ne le connaissiez pas. Oui. Je vous dis. On s'est rencontré là où on s'est rencontré au stade. Alors, est-ce qu'il confirme avoir invité quelqu'un à prier avec lui pour quand nous sommes arrivés à la mosquée, ils avaient fini de prier. Nous qui avons quitté ça, on a continué notre marche. Depuis qu'on s'est séparés ce jour, je n'ai pas revu ces gens-là. Alors, contrairement à ce que vous dites dans ce procès verbal, vous auriez invité votre collègue qui était avec vous à faire les ablutions pour prier, et cela pour une protection divine. Mais tout à l'heure, en vous suivant ici dans cette salle, ce n'est pas ce que vous avez dit. Pourquoi cette contradiction? Covid donc procès verbal mundong ko noddirno don oya yo aro saliga julon ko yon wono e der maral Allah fi Allah fi Allah hiwo o ko no hay on volali dun do. Quand je dis ça, quand nous sommes venus à la mosquée, les gens ils avaient fini. J'ai vu deux gendarmes de côté droit, ils venaient. On n'était pas un seul, on n'était pas deux, on a même pas deux seulement. On n'était pas deux seulement. On était un peu nombreux les gens. Oui. Mais ni bonjour ni ni on a arrêté julen. Venez.
Venez, on va prier. Sinon, si on va là-bas, les gens là, ils vont arrêter. Mais il dit. On se retourne. Mais parce que déjà, on a été distancé. Parce qu'on a mis la photo à Yudo et Capé d'Awondo. Non, la distance aussi n'était pas énorme. C'est notre. La distance qui nous séparait, c'est comme entre là où je suis et là où le président est installé. Donc, l'Andiha, donc. Ce que je connais. Alors, dites à M. Diallo que nulle part il n'a parlé de nombre de personnes, il n'a mentionné que son collègue. Ensuite, vous pouvez lui traduire. Oh, I hunde, I no ko asi adlinta libe gorebe ma ben. On a be gore bande. Ils ne sont pas mes amis, hein. Voilà. Alors, M. Diallo, je crois que cette question est revenue. On vous a demandé ce que vous avez subi personnellement au cours de la journée du 28 septembre. On galandal yitite amalabi jibuobe landike on ko hondum onon ko hebuno don nyande 28 septembre ko hondum hebuno on de nyande. J'ai déjà dit ça ici. Oui, justement, c'est pas une question, vous ne m'avez pas compris en fait. Ma question c'est la suivante. Par rapport à ce que vous avez subi ce jour, est-ce que vous avez une preuve pour justifier les atrocités dont vous mentionnez ici à la barre? Est-ce que vous avez une preuve pour justifier cela? Je vous ai montré le journal qu'on lit, le Lynx ici. Les photos aussi sont là. Quand les oreilles ici et les pieds et au niveau, j'ai pris cette photo là, elle est là aussi. Le matin, le lendemain matin aussi, les militaires sont venus jusque chez nous, derrière la cour, ils ont jeté, ils ont tiré les gaz là-bas. Je ne sais pas si Mianda se couvre, les rues du Mianda, mais là, c'est quand même des gaz, des gaz, des gaz, Je ne sais pas si c'est les bureaux ou c'est les gendarmes. Ils avaient jeté les gaz là-bas. Ces gaz-là, je les ai photographiés, j'ai les photos là ici. Parce